Ce vendredi 25 octobre, Cyril Melchior, président du conseil départemental, a inauguré la roseraie Marie-Thérèse au jardin botanique de Mascarin à Saint-Leu. Une cérémonie couplée au dévoilement du nouveau label des lieux. Aujourd'hui, donc, nous avons reçu ce label qui est ici, regardez, Jardin botanique de France et des pays francophones. Alors ça, il donne à nous une large dimension. Une dimension européenne, une dimension nationale, et il permet à nous d'obtenir parfois des échanges avec les autres jardins botaniques en termes de formation. Et pour les roses de Bourbon, ben, il permet à nous aussi de faire ce travail de recherche autour de la rose de Bourbon. Je te rappelle la rose Édouard. Pour avoir la rose Édouard, il faut venir ici. Et pour avoir les roses de Bourbon, ben, il faut venir ici ou bien aller dans tous les jardins créoles. Aujourd'hui, je te trouve des petites roses de Bourbon. Ça, c'est notre patrimoine. C'est ce que nous avons fait ici à Mascarin. La roseraie Marie-Thérèse, nouvelle collection botanique au cœur du jardin, présente une collection unique de plus de 60 variétés du groupe des roses Bourbon. Elle est dédiée à Marie-Thérèse de Châteauvieux. C'est un jardin départemental qui anciennement était la propriété de la famille de Châteauvieux. Marie-Thérèse de Châteauvieux, qui était maire, la première femme maire de l'île, en même temps conseillère générale de l'époque, et après la famille donc a cédé ce bien au conseil général qui est devenu conseil départemental. Et aujourd'hui, eh bien, le département, à travers le personnel, fait un travail remarquable de conservation, de valorisation de ce patrimoine. Et aujourd'hui, on a souhaité rendre un hommage particulier à la famille de Châteauvieux, en particulier à Marie-Thérèse. La roseraie Marie-Thérèse a été créée selon des objectifs scientifiques et esthétiques à partir d'un ancêtre commun, la fameuse rose Édouard.